Donc, on est Kaftet Amoud Aleph, en fait, Kafret Amoud Bet en bas. On va essayer de faire une petite présentation du DAF avant de commencer. Donc, aujourd'hui, on va voir le din d'un Shomer Aveda. Quelqu'un qui est Shomer Aveda, qui a trouvé une Aveda, quel est son din? Shomer Sachar, Shomer Chinam. Parce que dans la Mishnah, il y a marqué une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Est-ce que si il a trouvé de l'argent, ou bien on verra que s'il a trouvé un objet qu'il a vendu, est-ce qu'avec l'argent qu'il a récupéré, il a le droit de s'en servir ou pas? Sur ça, la Gemara va être mis de palpélette. Est-ce qu'on peut prouver d'ici que c'est Shomer Chinam et non Shomer Sacha? On verra ça dans la suite. Donc, quel est le din du Shomer Aveda? Et ensuite, dans la Moudbet, de la Mishnah jusqu'à la fin, on va voir comment doit-on se comporter, quelle est la nagote qu'on doit avoir avec les Metziot. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé quelque chose, mais il faut que je m'en occupe pour pas que ça s'abîme. Et donc, ça va être le sujet du Amoudbet. Alors, on y va. On est Kafret Amoud Aleph tout en bas. Maïe Bedamim. Alors, la Mishnah, elle nous dit comme ça que s'il a trouvé un animal, par exemple, un chor, un cé, des poules, alors il y a un laps de temps avec lequel on va devoir faire, c'est-à-dire les garder, s'en occuper. Et si Bémet, elles peuvent être rentables, par exemple, un chor, je peux le louer avec l'argent que je vais faire avec cette location, je vais pouvoir le nourrir. Ça ne va pas me coûter d'argent. Même si ça me coûte de l'argent, c'est au propriétaire de payer. D'accord ? Donc ça, il y a un certain laps de temps. Au bout d'un certain laps de temps, il y a marqué un an, 3 mois, 30 jours, il y en a même 3 jours si c'est des gros poulets, que c'est trop de travail, donc on ne lui demande pas de les garder aussi longtemps. Il y a marqué qu'on les vend. Parce que l'argent, au moins, c'est sûr que lui, il ne bougera pas. Maintenant, Marc Loka, Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, est-ce que cet argent, j'ai le droit de m'en servir ou pas? Maïe Bedamim, Rabbi Tarfon, Omer, Shtamesh Baël, d'après Rabbi Tarfon, il peut s'en servir. Les Ficha, Rabbi Tarfon, il dit, c'est la raison pour laquelle, s'il est père, il est Khayab, tu t'en as. Tu es comme un chômeur sacha, parce que tu as le droit, même mieux, un chouel. Alors que d'après Rabbi Akiva, le Ishtamesh Ben, les Fichar, si tu les as im avdou ou ne avdou, im nignevou avdou, il n'est pas chaya. Adkan, la Gemara dit l'opligé. Apparemment, toute la marque entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva est là, que Ishtamesh Ben. Si Behemet, des fois, il s'en est servi. Ah ben, le Ishtamesh Ben. Mais s'il ne s'en est pas servi, c'est-à-dire qu'il a vendu le chor, il a pris l'argent, il l'a mis dans une enveloppe, et il ne s'en est pas servi. Les coulées à main, apparemment, il m'a pas tout. Parce que Rabbi Tarfon nous dit je suis khayab que si je m'en suis servi. Mais si je m'en suis pas servi, ben, tu pas tout. Leïmat, il y avait tchoufta des Rabbi Yosef. Va-t-on dire que ça, c'est une tchoufta sur Rabbi Yosef? Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Yosef, un chômeur Aveda, il a un digne de chômeur Sachar. Donc jamais tu t'es servi ou pas de l'argent. Tu as un chômeur Sachar. Donc si Bémet, on les vole ou que tu les perds, le chômeur Sachar, il est khayab, les Gneba Aveda. Donc comment ça fait que tu fais pas tout? C'est quoi son Sahar? Alors il y a une marque dans la Gemara. Soit. Le Sahar, c'est la prouta des Rav Yosef. La prouta qui gagne, parce que là, Osek Bemitzvah, pas tour Mina Mitzvah. Donc, tant qu'il est Osek Bemitzvah, ta Shabbat Aveda, il n'est pas tour de Tzedaka. Soit, un Akilis, le Sahar, c'est le Sahar que Kadosh Baruch Hu lui donne, parce qu'il a été Osek Bemitzvah de Shabbat Aveda. Okay. Parce qu'en deux mots, Kadosh Baruch Hu l'a rendu Chayav, il a rendu Shomer, Bal Kocho. Lui, il ne voulait pas être Shomer. Mais la Torah, elle te dit, tu n'as pas le droit d'être Mitalem, de fermer les yeux. Il faut que tu le ramasses. Donc, je suis obligé d'être chômeur. Alors, on m'a donné un sahar. Ce sahar-là, d'après Rav Yosef, ça le rend chômeur sahar. Donc, là, il m'a dit avec Tchouvta de Rav Yosef, d'Itma. Chômeur Aveda, Rabba Amar, qui est chômeur Chinam. Rav Yosef Amar, qui est chômeur sahar. D'après Rabba, chômeur Chinam. Donc, on comprend la Mishnah d'après Rabba. Si tu n'es pas servi d'argent, mais tu es chômeur Chinam, pas tout, mais tu Aveda. Mais d'après Rav Yosef, tu es chômeur Aveda. Et un chômeur Aveda, c'est un chômeur sahar. Donc, tu es toujours chayav avec Gneva Aveda, que tu t'en sois servi ou pas de l'argent. Attends, c'est caché à Rabbi Akiva aussi ou à Rabbi Tarfon? Non, la Gemara, elle explique la marque locale entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon que s'ils se sont servis de l'argent. Mais s'ils s'en sont pas servis, il est cool Alma, il est pas tout. Donc c'est caché les Rabbi Yosef. Il est cool Alma. Amar les Rabbi Yosef, mais Gneva Aveda, des cool Alma l'obligé des Chayab. Notre Mishnah ne parle pas de Gneva Aveda. Notre Mishnah, Vadaï, que dira que tu es Chayab et Gneva Aveda si tu as perdu l'argent, même si tu t'en es pas servi. Parce que tu es Shomer Sacha, qui est plié Beyonsin. La marloquet, elle est Chouel. Si tu l'as perdu, Béonès, on te l'a volé, Béonès. Et donc là, tiens, Shoel. Comment tu deviens Shoel? Apparemment, seulement si tu t'en sers. C'est ça la marloquet. Donc, qui pliguait Béonsin des Shoel. Rabbi Tarfon, ça va. Charoulé, Rabbanan, les Shtamouché, Begavei. Rabbi Tarfon, il dit que Khamun lui ont permis de se servir de cet argent. Ben, avec les Shoel à l'œil. Et donc, il devient Shoel sur l'argent. Et Rabbi Akiva, ça va. Allô, Charoulé, Rabbanan, les Shtamouché, Begavei. Oui, le cap, avec Shoel à l'œil. Comment t'as pas permis de te servir de l'argent? Tu es seulement un chômeur sachar, chayav begneva vaveda, mais pas tourbé. Yachi, si c'est ainsi, les fichards d'Amar Rabbi Akiva la maille.
Alors, le Rabbi Akiva finit en disant, les fichards, étant donné que tu n'as pas le droit de te servir de cet argent, les fichards, si tu l'as perdu, tu n'es pas tour. C'est quoi ce les fichards? Hein? Et Amred Bishlama, Begneva Vavedasa, bien si tu me dis que Behemet, tu n'es pas tour, Begneva Vaveda ou dépligé, Aïnoudek Taner Rabbi Akiva, Omer, le Jutamesh Ben, les fichards, Imabdou, Nochaber, Chahutan. Si tu me dis qu'on ne parle pas Beonsin, mais on parle Behemet de Gneva Vaveda, alors je comprends que tu me dises les fichards. Sache que tu n'es pas Shomer Sacha, tu es Shomer Chinam, parce que tu n'as pas le droit de t'en servir, donc tu n'es pas Shomer Sacha. J'aurais pu croire Shomer Sachar avec Rav Yosef. On aurait pu croire Behemet j'ai Shomer Sachar, même si tu ne sers pas de l'argent comme Rav Yosef. Ou Begneva Vaveda Mechayev, Kamash Malan. C'est pour ça que Rabbi Akiva te dit le Fichar, tu n'es pas Shomer Sachar. Donc, d'après, si on est relègue sur Rav Yosef, on comprend le Fichar de Rabbi Akiva. Kamash Malan, le Fichar, la bille profite de cette prise d'air. Avalo l'Ichvodo, mais je n'ai pas le droit de. J'ai trouvé une belle tenture de la mettre chez moi. Ah, mais je suis en train de lui faire prendre l'air. Non, je suis en train d'en jouir. Clé chesef ou clé nechochet, des kelim en argent ou en cuivre, mishtamesh ben, les tzorkan, encore une fois, que pour qu'eux, ils ne moisissent pas, avalo, les charkan, mais de façon à ce qu'ils ne s'usent pas. On verra demain dans la Gemara, elle dit que, j'ai pas le droit de mettre sur le feu. Mais on voit que la chasse, il n'a pas le droit de t'en servir. Bien sûr, parce que ça les abîme. Mais non, l'argent. L'objet, j'ai pas le droit d'en servir. L'argent, c'est un matériel. Là, on parle pas de l'argent. Sans l'utiliser, non. C'est la même chose. Oui. Okay, non. Il est marqué que même on verra demain, même Betsonen, tu n'as pas le droit d'utiliser un Kelly en argent parce que l'argent, le liquide fait noircir l'argent. Mais sinon, non. Donc, tu as le droit d'utiliser, mais pas avec des mahalim. Klezav, un Kelly en or, avec l'isrukhit ou en verre. Loïgaben, Hachiavo, il est où? Tu ne touches pas. Eux, ils n'ont pas besoin de prendre l'air. Matza, sac ou coupa? Tu trouves un sac ou une coupa? Le rôle d'avoir chez un darcolitol. Toute chose que si c'était à toi, tu n'aurais pas ramassé. Tu trouves un sac en plastique de Rami Levi, mais il est vide. Bah, tu le ramasses pas. Est-ce qu'il y a un Shabbat Aveda là-dessus? Bah, si c'était le mien, je l'aurais laissé par terre, j'aurais jeté à la poubelle. Donc, ce n'est pas des frics, vos dos. Alors, tu les arrêtes, loïtol. Tu fais tour de la Shabbat Aveda. Tout objet non, pas contre, je qui n'est pas selon ton kavod, pardon. Même si c'est au terme, je vais Prouta. Je pense pas que ce soit par contre Michel Prouta, un sac. Bah, il faut que ce soit Yoter Michel Prouta. On a eu ça, Matsata. S'il n'a pas Dinavida, j'ai compris. Nevdalo, Hacher Nevdalo, il faut qu'il l'ait perdu. Il n'a pas Dinavida, je suis là. Exactement. Donc on veut. Il y a une marque. C'est pas douille, c'est quoi ça? Ça va pas par rapport à lui-même. Exactement. C'est pas ton kavod de ramasser un truc pareil. Si pour toi, tu ne l'aurais pas fait, tu ne fais pas pour les autres. D'accord. Maintenant, le marloquet dans les Rishonim, entre le Rambam et, je veux dire, qui est le Bartukta du Rambam, le Ramban, donc le Nachmanide contre Maïmonide, c'est quoi les Sheno, les Fikvodo? D'après le Rambam, un Zaken, quelqu'un qui n'est pas son Kavod. D'après le Ramban, on parle seulement d'un Zaken, un Tamid Chacham. Il n'y a que le Talmid Chacham qui a un tour de Shabbat Aveda, pas les autres. Alors on y va. Amar Shmuel, Amotze Tfilin Bashouk, quelqu'un qui trouve des Tfilin au Shouk, Sham Demehen ou Manichan. Tu peux mettre la valeur de cette Tfilin-là de côté, comme si tu les rachètes, ou Manichan, Machloké dans la Tfilin, c'est comme Manichan, tu les mets, ou Manichan, tu les poses, l'homme chané. En tout cas, c'est comme si tu les avais vendus. Tu as le droit de vendre des Tfilin dès que tu les as trouvés. Les altars, immédiatement, sans les garder. Mais Tivravina, Rabina, il dit pourtant, Matsa Svarim, Kore Baen et Khale Shoshim Yom. Rien sait faire, il faut lire une fois tous les 30 jours. Vimeno Yodalikrot, Golelan. Et si tu ne sais pas lire, alors tu le roules et tu le déroules. Mais jamais, au grand jamais, on t'a dit de vendre. Or, arrête, qu'est-ce qu'est le rachage dans un sefer? Il va s'abîmer. Alors vends-le. Au moins, l'argent ne s'abîme pas. Alors pourquoi les tefillin, tu les vends et le sefer, tu ne le vends pas? Golelan in, Shamdemehen, Manichano. Donc on voit que le sefer, tu as le droit de le rouler. Pour le maintenir en état, mais jamais tu auras le droit de le vendre. Alors pourquoi les tefilines, tu me dis que tu les vends immédiatement? Marabaye tefilines, beba chabou mishkar shriche. Des tefilines, il y en a de partout. Dans tous les magasins, il y a des tefilines. Sfarim, c'est plus rare. Celui qui a perdu son sefer, il ne veut pas que tu le vendes. Comment il va faire pour en acheter un autre? S'il a perdu ses tefilines, il va dans un magasin, il en achète immédiatement le donne des tefilines. Par contre, sfarim le shriche. Des sfarim, c'est moins shriar, et donc ne vend pas le sefer. Tanoura banane. Achouel Sefer Torah Mechavero, Arezé Lo Yashilenu Leacher.
Donc, on va voir la Braïta, on va la lire dans sa totalité, sa intégralité, et ensuite, on va l'expliquer. Si Bémet, on t'a prêté un Sefer Torah, tu n'as pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre. Et moi, elle va demander, évidemment, je t'ai prêté une voiture, tu n'as pas le droit de la prêter à quelqu'un d'autre. Ma chidouche. Or, Potro, Vekore, Bole, Ubilvad, Shelo, Ilmod, Boba, Techila. Tu as le droit d'étudier dedans, mais pas un nouveau texte. Velo, Ikra, Remo, personne ne peut étudier avec toi. Vechen, Mavkid, Sefer Torah, Tsel, Khavero, quelqu'un qui a été Mavkid, pas Sheila. Je t'ai confié un Sefer Torah à garder. Golelo, Kosh, Nemasa, Chodesh. Tu le roules, tu le fais prendre l'air une fois par an. Potro, Vekorebo, Imbishvilo, Patro, Assour. Tu as le droit d'ouvrir et de lire dedans, mais tu n'as pas le droit de l'ouvrir pour lire dedans. Nuance. Tu as le droit d'ouvrir et lire dedans, mais tu n'as pas le droit d'ouvrir pour lire dedans. Sumkusomer, Bechodesh, Shloshimyom. Bechadash, Shloshimyom. Si c'est un nouveau Sefer, une fois tous les 30 jours. Beyashan, Shlemasa, Chodesh. C'est un vieux Sefer, une fois par an. Rabbi Zer Ben Yaakov Omer, Echadze, Vechadze, Shlemasa, Chodesh. Que ce soit un nouveau ou un vieux, c'est une fois par an. Alors on va expliquer. Amarmar. Ashuel Sefer Torah, Mechavero, Arezé, Le Yachinen ou l'Acher. Quelqu'un qui prête et qui emprunte, donc, un Sefer Torah à son copain, il n'a pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre. Maïri et Sefer Torah, tu nous colmines les namis, la Gemara demande. Qu'est-ce que tu me parles d'un Sefer Torah ? N'importe quel objet que je te prête, tu n'as pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre, évidemment. D'Amar Abshimen Lakish, Kan Shanaribi, En Ashuel, Rachaïd Yachil. Un Shuel n'a pas le droit de prêter. Ven Asocher, Rachaïd Yaskir. Et un locataire n'a pas le droit de sous-louer. Parce que c'est à toi que j'ai fait confiance. Mais je ne sais pas qui tu vas le prêter. La Gemara dit Sefer Torah et Tzrichale. Le Chidouche, c'est que même un Sefer Torah, tu n'as pas le droit. J'aurais pu croire ni Khalil ni Jleti Abid Mitzvah Bemamoné qu'un homme il est intéressé, ça ne le dérange pas, au contraire. Je suis content que tu fasses une mitzvah avec mon mamon. Kabash Malan, que Sefer Torah, c'est différent. Je l'ai prêté à toi, tu ne le prêtes à personne. Alma Neymar, Dinze, Tfilin. Tu rentres dans un bête à Knesset, tu n'as pas mis les Tfilin, tu peux prendre les Tfilin qui sont posés au bête à Knesset. Ni Khalil ni Jleti Abid Mitzvah Bemamoné. Pas un Sefer Torah. Mais pas un Sefer Torah. Les Tfilin, tu peux les utiliser parce que tu sais que son propriétaire il est d'accord, mais pas un Sefer Torah. C'est sa bille, c'est, exactement, c'est plus fragile. Potro et Korebo, la Gemara a dit, si tu l'as emprunté, tu as le droit d'ouvrir et de lire dedans. Pshita, alors pourquoi tu l'as emprunté? Pour faire joli, pour danser à Simchat Torah avec. Pshita, Velalema Isha éliminé. Pourquoi tu l'as emprunté? Sefa et Tzrichale, non. Le Chidouch, il est dans la Sefa. Bilvad Shilo Ilmadbo Batechila. Même si tu as emprunté un Sefer Torah et que je l'ai prêté, tu n'étudies pas un nouveau texte que tu n'as jamais étudié dedans. Parce que la première étude, elle est toujours plus longue. D'accord, mais tu lis dedans. Tu as le droit de l'utiliser, mais une ishtamshut normale. Ouais, pas beyoun. Vechen amafkid sefer Torah et sel chavero. Pareil pour un sefer Torah, quelqu'un qui est mafkid, donc qui donne à garder un sefer Torah à son ami. Golelo kol shnema sachodesh. Tu le déroules tout, une fois par an. Potro vekorebo. On a dit, mayavite gabé. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, potro vekorebo? Arrête, il ne te l'a pas prêté. Il te l'a confié. Asma pitom, shata korebo. Comment tu peux lire dedans? Mais tout, imbishvilo, pas trop assour. Et en plus, il y a marqué, si tu l'as ouvert pour toi, c'est assour. Ah, moi, pas trop, vécorébo, tu vas me dire que tu as le droit de lire. Alors, j'ai le droit ou je n'ai pas le droit? C'est là où toute la nuance que je vous ai dit. Tu l'ouvres et tu lis, mais tu ne l'ouvres pas pour lire. Arikamar, im keshu, golelo, pas trop, vécorébo, moutard. Si au moment où tu le déroules, tu lis dedans, mais ben, c'est pas pour ça que tu ne l'as pas ouvert pour lire. C'est bon pour l'arriver. Exactement. Oui. Donc, tu as le droit de lire. Imbishvilo, pas trop, mais si tu l'as ouvert pour toi, alors là, c'est assour. Assur. Son coup sommaire, Bechadash, Shloshimyom. Si c'est un nouveau Sefer, il faut l'ouvrir plus fréquemment. Une fois tous les 30 jours. Beyashan, Shnemasa Chodesh. Si c'est un vieux Sefer, une fois par an. Rabbi Zerbania Kavomer, Echad Zerbechate, Shnemasa Chodesh. L'homme chané, une fois par an. Alors c'est Tanakama. Rabbi Zerbania Yaakov, Aynu Tanakama, c'est la même chose. Ma Bayagil, Rabbi Zerbania Yaakov. Déjà Tanakama, il nous a dit une fois par an. Il ne nous a pas fait trilouk entre eux. Un vieux et un neuf. Alors pourquoi Rabbi Zer Ben Yaakov vient donner sa parole? Et là, il m'a Rabbi Zer Ben Yaakov Omer, Echadze Vechadze Shloshimyom. Donc, Tanakama, c'est une fois par an. Sunkus, ça dépend s'il est Khadash ou s'il est Yashan. Rabbi Zer Ben Yaakov, tous les Sfarim, c'est une fois par an, par mois. Avalo Ilmod Bo Batechila Velu Krobo Acher. Tu n'as pas le droit d'étudier avec quelqu'un dans ce Sefer. Ouminéou. Agmar Object. Il y a marqué Loïkra Paracha Veyeshane. Tu n'as pas le droit de lire une paracha et de la répéter. Ça s'appelle déjà un limoud plus appuyé. Velo ikrebo paracha vitargem. Non plus de lire une paracha et d'être métargem de la traduire. Velo iftarbo yoter migimel d'apim. Tu n'as pas le droit d'ouvrir plus de trois d'apim. Ça met trois colonnes. Velo ikrebo shlosha ben adam.
trois personnes n'ont pas le droit de lire à l'intérieur. Machma que deux. Oui. Moutard. Velo ikriou bo shlosha ben adam bikrar echad. Sur un seul krar. Ah, shnaim korin. Machma que deux, c'est moutard. Alors, dans la Mishnah, il y a marqué que deux, c'est assour. Ici, il y a marqué que deux, c'est moutard. Pardon ? Tu m'as dit qu'il faut les gueuler dans ton couloir. Oui, mais je ne le déroule pas entièrement. Ce n'est pas la Migdal Esther. Je déroule. Est-ce que c'est moutard à deux ou c'est assour à deux ? La Gemara va donner plusieurs chilouki. Ashlaim Korin, Amar Abaye Lokashia, Kan Benyan Echad, Kan Mishne Inyanim. Ça dépend si on étudie la même chose ou on étudie deux Inyanim différents. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Comment vous comprenez la Gemara ? Pshat de Rashi, si on étudie deux choses différentes, alors là, il y a un khashash qu'on va le tirer dans tous les sens. Le même Inyan, c'est Mouta. Le Rambam, il dit Biyukafour. Si on est dans le même Inyan, là, c'est Shayar que. Mais non, ce n'est pas marqué ça. Donne-moi le livre. Je vais te l'arracher. Mais si on n'est pas en train d'étudier la même Sugya, il y a Khalil Kla, c'est Mouta. C'est plus logique. Deux Istalkout. Istalkout, pardon. Deux Istalkout différents. Matzak Tsout. Si j'ai trouvé la Michelin nous dit, j'ai trouvé un Ktsout. Un habit, menara, echad le shishimium, il faut le secouer une fois par mois. Les mêmes rats des niurmal. Et là, la grande dit, machma, que de pousser un béguet, ça lui fait du bien. Bah, Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabbi Yochanan, et là, on va avoir plusieurs enseignements de Rabbi Yochanan qui sont begeder derecheretz. Rabbi Yochanan nous dit, michi eshlo gardi uman, quelqu'un qui a un tisseur à la maison, une machine à tisser. Donc, ça veut dire que lui, il peut en faire des habits. Betor Beto, chez lui à la maison. Et Nerk Souto Becholium, il peut épousser ses habits tous les jours. Il s'en fiche, pourquoi ? Quand sa chemise elle est foutue, il en prend une autre. Il a une usine à la maison. Donc qu'est-ce qu'on voit ici ? Que d'épousser les habits, c'est pas bien. Chaque jour. Amré, Becholium, caché là. Chaque jour, c'est pas bien. C'est pas bien pour l'habit, c'est l'habit. Et Khan les cheveux chez mieux, mal est là. Donc une fois tous les 30 jours, c'est bien. Chaque jour, c'est l'habit. Bébé et Tema, le caché. Ah, Bechad, Abetré. Ça dépend si on l'épouse à deux ou tout seul. Si on est à deux, on tire. On tire sur le tissu, c'est l'abîme. Si je suis tout seul, ça lui fait du bien. Et bien, il était mal au cachia, abéada, bechoutra. Est-ce que je les pousse avec un bâton, ça l'abîme, ou avec ma main, ça c'est bien. Et bien, il était mal, enfin, au cachia, abédamra, abédekitna. Ça dépend le tissu. Si c'est de la laine, ça tire la laine. Tu abîmes le tissu. Tu abîmes l'habit. Si c'est du kitna, du lin, par définition, le lin, c'est un fil qui est dur. Et donc, ça ne va pas l'abîme. Amra, Imra. Imra, c'est la laine. Kitna, c'est le lin. Amar Yochanan. Kassa de kharshin, velo kassa de pocherin. Il vaut mieux boire un verre d'un sorcier qu'un verre d'eau tchède. C'est un nichon des francs. Ouais. Velo amran et la biklimatachot. Tout ça, c'est seulement si c'est dans un cli en fer. Avant de cli, relas l'etlanba. Mashma, s'il a été chauffé dans un cli en fer. Bien que le Shukhana Ukharab, il est possède de boire dans un client. Ou Beklimatachonam Iloamranela de l'Otsavit. Il n'est pas arrivé à ébullition. Kachamedouyak, s'il n'est pas arrivé à ébullition, on ne parle pas du cli dans lequel tu bois, mais dans le cli dans lequel tu l'as fait chauffer. J'ai fait chauffer de l'eau, mais ce n'est pas arrivé à ébullition. Ah bon, mauvais ça. Sakana. Pire que de Kishouf. Ah ben les Tsavit, l'Atlanba. Mais s'il a bouilli, après ça refroidit, c'est... ça y est, c'est bon. Reste chaud et le liquide à l'intérieur il est tiède. Non, c'est bon. Quand tu vas prendre, tu vas te brûler les lèvres. Non, c'est pas pour le sakana. S'il est tiède, mais qu'il est arrivé à ébullition avant de tiédir, alors c'est moutard. C'est une mitzvah, je sais pas. Ça tue les bactéries. On n'a pas mis de tzivia, c'est-à-dire des épices, des asavim, des plantes. C'est bon, on n'a pas fait un thé, on n'a pas fait un café. De l'eau, tu bois de l'eau. De l'eau tiède, qui n'est pas arrivée à ébullition. Dans un climat terrestre, ne bois pas. Il vaut mieux boire le truc des sorciers. Ah bah, shadab et tzivia, let l'anba. Mais si BMH a mis quelque chose dedans, alors là, il n'y a aucun problème. Vama Rabbi Yochanan. Mishin yachlo aviv ma'otarbe. Quelqu'un qui a eu un grand héritage.
Verotse la Avdan. Il ne sait pas comment faire pour dépenser son argent. Il y a des gens aujourd'hui, ils ne savent pas comment dépenser leur argent. Rabbi Yochanan, tu donnes une etza. Non, je rigole parce que tous les rishonim se demandent qu'est-ce qu'il veut Rabbi Yochanan. Mais aujourd'hui, il y a les parlants de cette Gemara. Il y a des gens, ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Ils achètent des t-shirts à 1200 euros. Ils ne savent pas quoi faire avec leur argent. Alors, Rabbi Yochanan dit, je vais te dire quoi. Je vais te dire quoi. C'est une forme de conseil, de stock à l'envers. À l'envers, oui. Alors, pas, il peut les dépenser, veut dire. Il y en a qui disent que. Alors, il y en a qui disent. Il y a un pion rouge comme ça, que s'il a hérité de l'argent de son père, c'était Kesef chez le Ribbit, il ne veut pas être néné. Néanmoins, il ne veut pas le donner. Comment le dilapider rapidement? Le casino n'existait pas à l'époque. Alors, comment on fait? Il bâche avec des pichetades. Il va mettre des habits en lin. Pichetamèche avec les rouchites. Il va boire que dans des verres en verre. Il score poalim, il va louer des poalim, mais le chevimain, il va pas rester avec eux pour les surveiller. Il va, je vais clipper Stan, tu mets des clients en lin, mais Kitna Rumita, c'est le lin de Rome, qui est très fragile et qui est très cher. Donc tous les jours, il faut changer. Je sais pas si vous avez déjà fait voyage à Rome, les Italiens, ils adorent les habits en lin, mais ils sont toujours froissés. Vous avez jamais vu, ils sont tous avec les costumes, et on dirait qu'ils sortent de la machine à laver. Vishtame, je vais clipper Rumita, Bizukita, Rivarta, c'est du verre blanc. Le cristal, même si Béhémet a marqué que Mishicharab et Amigdash, on a perdu ce qu'on appelle le verre blanc, soit c'est quelque chose qui y ressemble, le cristal qui vaut cher, soit Béhémet, il y a encore une possibilité de le trouver. Viscor Poalim, Yeshavimahen, et il louera des Poalim, le service de sans Poalim, les sans les surveiller. Tire Bouma, c'est quoi le problème? Le problème, des Touré, des Nafiche, Psidayou. Alors ici, ils vont venir te faire la Harisha dans ton champ avec des Shvarim, avec des taureaux, c'est comme ça qu'ils travaillaient. Ils ne vont pas faire attention à tes vignes. Ils vont faire la Harisha, mais même les vignes, elles vont être labourées. Donc tu vas avoir F7. Voilà comment dilapider son argent. En fait, ça, c'est un déchachia, c'est-à-dire si tu ne veux pas que ton argent se perde. Aussi. Si tu as des superviseurs, c'est bon. Si tu as des superviseurs, c'est bon. Non, mais il faut les mettre. Si tu ne veux pas perdre ton argent, il faut les mettre. Non, mais tu les dis toi-même, tu vas. Est-ce que tu veux les dire? Non, est-ce que tu veux les dire? Il faut mettre un méfakia. Il faut un méfakia.